Allez, c'est parti pour ce 63e épisode de la saga Portsmouth sur FIFA 14. Donc, c'est la dernière journée d'Europa League. Vous vous souvenez que dans le dernier match, on jouait contre Valence. On est parvenu in extremis à gagner sur le score de 2 buts à 0. On est donc en tête du groupe, devant Valence à la faveur de ce succès. On a 10 points, on a 11 points, pardon. Valence en a 10. Le Standard de Liège a fait match nul contre Strømsgodset, donc ils sont condamnés. Et ça va se jouer en fait entre nous deux. On peut jeter un petit coup d'œil aussi sur les équipes qui devraient se qualifier. Les Legia Varsovie qui jouent gros. Austria de Vienne, ça va être jouable, ça devrait être jouable en tout cas. Le Rapide de Vienne, c'est quasiment fait. Bon, Liverpool, c'est fait. Tottenham et Paris, c'est fait aussi. Ça va se jouer entre les deux pour savoir qui est premier, qui est deuxième. Si je peux éviter de rencontrer le deuxième, ça m'arrangerait. Pareil entre Bordeaux et Newcastle, c'est déjà fait pour les deux. Ça va se jouer pour la première place. Est-ce qu'il y a Brand National sont d'ores et déjà éliminés. Il n'y aura pas à espérer grand-chose. Le LOSC est qualifié et quasiment assuré de finir premier de son groupe. Feyenoord ou Lech Poznan pour la seconde place, ça va être serré. Bayer Leverkusen est qualifié. Zenith est qualifié. Dans cet ordre-là, c'est déjà certain. Eintracht Frankfurt et Sporting qualifiés. Et donc, Portsmouth et Valence, si je gagne, je suis premier. Si je ne gagne pas, il faudra un match nul ou une défaite de Valence pour qu'on passe. Comment on est classé dans les buteurs? On a Ingu qui a 5 buts en Euroleague, c'est pas mal. Est-ce que j'en ai un autre? Il m'a pas semblé voir d'autres joueurs de mon équipe. Et pour ce qui est des passes, on a Austin qui est 7ème avec 3 passes. Donc, enfin 7ème c'est ex-aequo, il est grosso modo 2-3ème je pense. Donc voilà, mon duo d'attaque de folie qui continue à faire des siennes. Duo d'attaque qu'on va pas retrouver pour ce match parce que bien évidemment, je suis qualifié dans l'absolu. Que je fasse premier ou deuxième, ça risque de pas changer énormément de choses. Donc voilà. D'ores et déjà qualifié pour le tour suivant d'Europa League, pour les 16e de finale. Portsmouth se présentait au Marine List de Strømsgodset afin d'identifier les joueurs norvégiens. Strømsgodset était d'ores et déjà largement éliminé avec un seul point en 5 matchs. L'intérêt de ce match résidait du côté de Portsmouth puisqu'en cas de victoire, les joueurs anglais étaient assurés de finir premier de leur groupe devant le FC Valence. Un FC Valence qui ne domine que d'un petit point à la faveur de leur succès à domicile sur le score de 2 buts à 0 lors de la dernière journée. Un FC Portsmouth bien entendu sans Kim Jin-soo qui avait été expulsé, on s'en soutient, dans le match contre le FC Valence. Et Gary Lineker avait choisi de faire grandement tourner malgré l'intérêt sportif de ce match en prévision des matchs de championnat à venir. Portsmouth qui disposait d'une meilleure différence de but également que le FC Valence. Du côté de Strømsgodset, dans les cages, Quaracé, Lars Wilsvik à droite, Horn Madsen complète la défense, Boateng, Johansson, Ovenstad au milieu de terrain, un trio d'attaquants, Olen Olsen, Vikheim et un troisième attaquant. Du côté de Portsmouth, donc on avait fait tourner, mise dans les buts, une défense Devera, Soumaoro, Grimmy et Ennei sur les ailes, Michael O'Connor à la récupération, Fleming Garcia Mason complète le milieu de terrain et Will Grigg associé à Harry Atkinson, titularisé pour l'occasion en attaque. Harry Atkinson qui donne le coup d'envoi avec Will Grigg, on rejoue derrière sur Ennei. Ennei qui joue avec Fleming, Fleming pour O'Connor. La perte de ballon d'O'Connor et c'est Castrati qui récupère. Castrati donc l'ailier gauche de l'équipe qui joue sur nous. Qui perd le ballon, récupération Fleming mais une petite faute, on va revenir à la faute. Allez, 3 minutes de jeu, Devera pour le coup franc défensif, Devera qui remet sur Ennei. Ennei dans la profondeur pour Fleming, ouais, c'est pas mal joué, il a du champ un petit peu Fleming, il préfère remettre sur Grigg dans la profondeur, Grigg qui va pouvoir centrer. Le centre pour Harry Atkinson, la tête d'Harry Atkinson, l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Harry Atkinson, il a faim Harry Atkinson, il se jette sur le ballon. Il est en manque de temps de jeu, il l'a dit. Et là, il catapulte le ballon. Le centre de Will Grigg dans les buts. Ça fait 1-0 pour Portsmouth. But d'Harry Atkinson à la 5e. C'est reparti du côté des Norvégiens. Vikheim. Vikheim qui s'infiltre dans la défense. Vikheim, il n'est pas attaqué. Vikheim, il remet sur Ovenstad pour Castrati. Castrati qui récupère. Récupération de Soumaoro. Soumaoro avec Fleming. 18 minutes de jeu. Johansson pour Castrati une nouvelle fois sur son côté gauche. Castrati face à O'Connor. Il a Ennei en retrait. O'Connor, il parvient à centrer Castrati, c'est pour la tête de Leno Olsen. Et la parade, de Jamie Mills du bout des gants. On en reste 1-0, corner à suivre pour les Norvégiens de Strømsgodset. Johansson pour tirer ce corner. Johansson il prend son élan, c'est pour la tête de Madsen. Fleming qui parvient pas à la prendre sur la reprise de Leno Olsen. On n'est pas passé loin là. Nouveau corner de Vikheim. Ils poussent les Norvégiens, ils n'ont pas envie de partir comme ça de l'Europa League. C'est Grimmy là qui arrive à dégager, mais il dégage de la tête sur Ovenstad. Ovenstad qui s'infiltre dans la surface, la frappe de Ovenstad, c'est repoussé par Jamie Mills et Jamie Mills qui récupère le ballon des deux mains. Allez, la demi-heure de jeu, et les Norvégiens qui poussent depuis un petit moment maintenant. Allez, c'est repoussé par la défense de Portsmouth. Récupération de Mason qui perd le ballon à Harry Atkinson qui revient. Petite faute d'Harry Atkinson là. Et le carton jaune, l'arbitre qui sort le carton jaune, c'est un petit peu sévère. Hein. Même si le tacle était appuyé, clairement le joueur visait le ballon. Allez, Atkinson, on retrouve 35e minute, il est en position de frappe, il va pouvoir frapper, attention Atkinson, la frappe, c'est repoussé par Corassay. Et la défense qui dégage sur Johansson. Ovenstad avec Vikheim dans la profondeur. Vikheim face à Grimmy, il préfère remettre sur Boateng, qui va être en position de centre, non il perd le ballon, c'est récupéré par Grimmy, qui balance devant pour Mason, qui parvient à remettre sur Atkinson, qui s'appuie sur Grigg, dans la profondeur, Grigg va être en position de frappe peut-être. Attention, il y a Madsen qui revient, Grigg qui va frapper, non, il ne peut pas garder le ballon, il sent, oh, petite balle piquée complètement loupée de la part de Will Grigg, ça ne donnera rien. On est dans les arrêts de jeu, récupération défensive de Soumaoro pour Devera. Non, c'est Fleming finalement qui récupère le ballon, c'est joué avec Ennei, pour Mason. Avec O'Connor, qui dribble, la passe dans la profondeur pour Atkinson, attention il est rapide, Atkinson il élimine Wilsvik, le dribble, oui, le crochet, la frappe et le but. Le doublé d'Harry Atkinson juste avant la mi-temps. Le tout jeune attaquant anglais, ravi d'être titularisé, qui signe un doublé juste avant la mi-temps après son but de la tête à la 5e. Une catapulte, une superbe frappe du pied gauche et ça fait 2 buts à 0 pour l'équipe de Portsmouth ici sur le terrain de Strømsgodset. La messe semble dite, hein. En tout cas, Harry Atkinson offre pour l'instant la première place du groupe à son équipe. Attention tout de même aux Norvégiens avec Castrati qui joue avec Lene Olsen. Lene Olsen pour nous, on en reste là. Mi-temps donc ici à Strømsgodset. Et 2 buts à 0 pour les visiteurs. Portsmouth grâce à un doublé d'Harry Atkinson, 5e, 45e. Des Norvégiens qui ont montré un football intéressant mais qui ont été bousculés par le réalisme des Anglais. Et surtout par un Harry Atkinson au top de sa forme qui signe je crois son premier doublé de la saison et en tout cas son premier doublé en Europa League. On revoit le deuxième but également d'Harry Atkinson, crochet, frappe enchaînée du gauche, à terre, Corassay est battu, pas irréprochable Corassay sur cette action. Allez, alors du côté des résultats à la mi-temps, l'AS Rome mène 1-0 face au Legia Varsovie, Brøndby et l'Australie de Vienne font match nul 1 partout, Sion, Rapide de Vienne 0-0, Grasshoppers 1, Fiorentina 1, Rio AV et Liverpool font match nul 1 partout, Rosenborg mène 1-0 face aux Lokomotiv et Renven et l'Eintracht Frankfurt font match nul 0-0 pour les matchs les plus importants. On va repartir pour la deuxième mi-temps dans ce match. Et le coup d'envoi donné par les Norvégiens, Johansson qui perd le ballon, récupération de Will Grigg, qui déborde sur le côté droit, attention il a du champ Will Grigg, il a de la vitesse, là, il perd le ballon, bien défendu par Lene Olsen et le centre sur Atkinson, attention la défense norvégienne qui bafouille un peu son football là, Ovenstad s'est sauvé mais Wilsvik qui parvient à récupérer le ballon, Wilsvik qui joue avec Vikheim, à nouveau Wilsvik pour Horn qui renaît sur Wilsvik, ça joue avec Vikheim une nouvelle fois. Vikheim pour Boateng, avec Ovenstad, on joue à la baballe là, du côté des Norvégiens pour l'instant. Et on perd le ballon mais on le récupère, Vikheim une nouvelle fois. 54e minute, Boateng qui conserve le ballon, non il le perd, récupération de Mason qui ne garde pas le ballon longtemps mais Fleming a suivi, il remet sur Grigg, dans la profondeur pour Atkinson, attention Atkinson, nouvelle occasion pour Atkinson, la petite balle piquée, extérieur du pied droit, pied gauche, pied droit, tête, il nous aura tout fait aujourd'hui Harry Atkinson. Et c'est un coup du chapeau pour l'attaquant anglais de 20 ans. Rendez-vous compte, il est encore tout jeune, Harry Atkinson. Il a une marge de progression probablement énorme. Et il nous signe un but absolument magnifique. Petit extérieur du pied droit. Ça fait 3-0. Atkinson 3, Strømsgodset 0. Portsmouth devrait aisément remporter la victoire. Et de fait, terminé premier de son groupe devant le FC Valence. Une petite surprise parce que Valence était très largement favori de ce groupe. On savait que Strømsgodset serait un petit peu en retrait. Et pour la deuxième place, le Standard de Liège était favori des bookmakers. Mais Portsmouth était juste derrière. Attention avec l'attaque du Norvégien, Castrati qui récupère le ballon. Mais Joe Devera qui parvient à faire quelque chose. Récupération de Grigg qui remet sur Fleming. Fleming là, il peut mettre dans la profondeur pour Mason. Ouais, c'est pas mal joué ça. Mason qui va pouvoir crocheter le crochet de Mason. Il tente la frappe de loin. Mason, ça passe pas loin. Ça passe pas loin les buts de Poirasset. On est passé tout près du 4-0. Belle frappe du gauche là de Mason. Et il manque un. Ah, il manque pas grand chose hein, pour le milieu de terrain anglais. Pour inscrire un but en Europa League. On va procéder à quelques changements du côté des Norvégiens, forcément. Histoire de reposer un petit peu les joueurs, je pense que l'entraîneur ne se fait plus guère d'illusions sur l'issue du match. La rentrée de Kosvac et la sortie de Lene Olsen. Gary Lineker qui procède également à des changements, avec Fleming notamment, qui va céder sa place. Fleming qui sort, de même que Mason, Atkinson et Ramis Madine. Et José R. Ruiz qui rentre. Allez, 75e minute. Alors on attend que le temps passe là, du côté des deux équipes. Castrati dans la profondeur, est-ce qu'il va être assez rapide? Castrati, ouais, il va récupérer le ballon. Ennei est un peu court. Castrati qui conserve, il est mine Ennei, il va pouvoir centrer. Il centre tranquillement, c'est pour la tête de Kosvac. Et la parade de Jamie Mills, impeccable. Impeccable, Jamie Mills sur cette action. Il a un petit peu de mal dans cette saison, il avait été très bon lors des deux saisons précédentes. Cette saison, il souffre un petit peu, Jamie Mills. Il est encore très jeune, il a 18 ans. Mais là, il est impeccable sur cette action. Allez, les joueurs de Portsmouth. Garcia sur le côté de gauche, le centre de Garcia, la tête de... la sortie de Kourassé, pleine d'autorité. Sur la tête de Ramis. Allez, Boateng. Boateng qui conserve le ballon. Il rejoue sur Vikheim. Vikheim avec Castrati. Castrati qui tricote un petit peu du côté droit, mais il parvient à remettre sur Vikheim. Vikheim qui va pouvoir centrer, le centre de Vikheim, c'est pour Boateng, la tête de Boateng s'est repoussée sur Kosvik. Kovacic, la frappe qui est repoussée en corner une nouvelle fois par Jamie Mills. Un nouvel arrêt réflexe magnifique hein, de Jamie Mills qui aura fait une très belle partie lui aussi. Et un nouveau changement à venir du côté des Norvégiens, Ovenstad qui va céder sa place, le numéro 18 norvégien. Et c'est Schulz qui va rentrer à sa place. Allez, le corner qui va être tiré par Johansson. Johansson, c'est pour la tête de Horn, mais Soumaoro qui s'impose. Dans Horn qui parvient à avoir le ballon, mais ça passe nettement au-dessus. Elle est ratée là, la tête de Horn est complètement ratée. Pas d'inquiétude pour Jamie Mills. On en reste à 3-0 sur cette tête trop puissante. Il la prend un peu en reculant. Allez, Castrati qui va à son tour céder sa place et c'est Keita qui rentre. Nous, on est dans les derniers instants de la partie. Lars Wilsvik. Lars Wilsvik supervisé par plusieurs gros clubs anglais. Schulz qui perd la balle. Ruiz la récupère, mais mauvais dégagement de Ruiz. C'est Madsen qui garde le ballon. Madsen qui joue avec Johansson. Johansson avec Vikheim. Vikheim qui remet derrière sur Boateng dans la profondeur pour Lars Wilsvik. Attention, Lars Wilsvik. Larzizik il est bon, mais il a une bonne frappe. Larzizik qui parvient à conserver le ballon. Non, récupération de Grimmy. C'est bien joué de la part de Grimmy. Et l'arbitre qui siffle la touche. Vikheim qui va pouvoir centrer sans doute. Qui a une nouvelle touche à venir pour les joueurs de Strømsgodset. L'arbitre qui ne devrait pas tarder à siffler la fin du match. Wilsvik qui fait la touche pour Vikheim. Le centre de Vikheim, c'est pour la tête de Kovacic. C'est repoussé par la défense de Portsmouth, c'est Madine qui remet sur Ramis et on en restera là. Victoire 3-0 sous les sifflets du public norvégien. Triplé, coup du chapeau de Harry Atkinson. Je crois que c'est son premier si je vous dis pas de bêtises. 5e, 45e et 57e. Strømsgodset s'incline donc 3-0 à domicile face à Portsmouth. Portsmouth qui termine donc premier de son groupe d'Europa League devant le FC Valence. C'est un petit peu la surprise. Portsmouth qui connaîtra très prochainement son adversaire en 16e de finale d'Euroleague. On va revoir hein, le coup du chapeau d'Harry Atkinson. Donc d'abord ce centre de Grigg et la tête percutante d'Harry Atkinson. Puis ce crochet qui élimine son vis-à-vis et la frappe enchaînée du gauche légèrement extérieure. Et enfin le but à la 57e. Petite balle piquée tout en finesse du droit. Il a marqué tout ce qu'il pouvait marquer. Le droit, le gauche, la tête. On se demande avec quoi il aurait pu marquer un autre but à Atkinson. Très grosse performance du jeune anglais. Il s'est gavé Harry Atkinson. Ils ont plus d'occasions que moi hein, les Norvégiens. Ils ont assez bien joué dans l'ensemble, mais ils m'ont jamais réellement inquiété. Il y a deux grosses parades de Jamie Mills, mais dans l'ensemble ça a été un match assez simple, beaucoup plus simple que les derniers matchs que j'ai eu à disputer, où parfois j'ai franchement galéré quoi. Donc voilà, on est officiellement premier du groupe. C'est pas magnifique, on devrait éviter les pires. Encore que dans les deuxièmes, il y avait le groupe avec Paris et Tottenham où le deuxième sera de toute façon pas gentil. Il y avait le groupe Newcastle Bordeaux aussi où le deuxième j'ai pas spécialement envie de le rencontrer bizarrement. Et puis il faut pas oublier qu'il y a aussi tous ceux qui vont être reversés de Ligue des Champions, les troisièmes de Ligue des Champions qui nous rejoignent parce qu'il y a 12 groupes hein, en Euroleague. Donc il y a 2 qualifiés par groupe, ça fait 24 équipes, plus les 8 reversés de Ligue des Champions. Ça nous en fait 32 pour les 16e de finale. Allez, on va continuer à avancer un petit peu. La perle Atkinson, ils m'ont passé toutes les perles les unes après les autres. Je vous dis, c'est un collier que j'ai. Ok, alors mise à jour France, on s'entend peu. Eh, le Pérou qui veut que je sois leur sélectionneur, putain, terrible. Allez, hop. Ah, je me suis raté. On recommence. Je dis donc, allez, hop, on refuse, ouais. Mise à jour Allemagne, on s'en fout. Conférence de presse avant le match contre Norwich, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est bien ça, le match contre Norwich. On va louer les joueurs, ils viennent de se qualifier, d'être premiers de... Waouh, 2 350 000. Ça, c'est très bon pour les transferts, ça. Ça, c'est très... J'en déconnecte la manette. C'est très bon pour les transferts, 2,5 millions en plus. Je pense que je vais me faire un petit mercato sympa. Honnêtement, j'avais déjà 110 000, je crois, 100 000 environ. Là, je dois pouvoir monter, je sais pas, je dois pouvoir monter peut-être à 150 000, un truc comme ça. C'est très bon. C'est très bon. Je vous parle pas mal de Lars Wilsvik aussi. Il y a une raison à ça, c'est que je l'ai pris à FIFA 11, à FIFA 12 et à FIFA 13, pas dans celui-là. Allez, un petit coup d'œil sur les qualifiés. Donc l'Atlético Madrid est qualifié de même que Bruges. Naples également qualifié. Naples qui finit 2e du groupe, ça aussi, ça fait pas plaisir. L'Athletic Bilbao et Hoffenheim qualifiés. Et Liverpool, le Rapide de Vienne qui sont qualifiés, ouais. Ok. Les Spurs terminent premier et Paris deuxième, super. J'adore. Bon, ils doivent plus avoir Ibrahimovic, Paris, ils ont plus Cavani non plus parce que je l'ai vu à Chelsea. Mais je pense qu'ils doivent avoir quand même une équipe assez costaude, donc on va y aller doucement. Les Girondins qui terminent premier du groupe, ça fera plaisir à Mishkaza. Devant Newcastle United, ils les ont battus dans le dernier match. Le LOSC qui termine premier, Feyenoord deuxième, Bayer Leverkusen et le Zenith, le Sporting et l'Eintracht Frankfurt sont qualifiés, et donc Portsmouth qui finit premier de son groupe. Helsingborg et l'Atlético Madrid également qualifiés. Helsingborg, ils étaient 4e après 2 ou 3 journées et ils ont fini par se qualifier, c'est quand même pas mal ce qu'ils ont fait. Les petits Suédois d'Helsingborg, si je vous dis pas de bêtises. Je suis vraiment pas sûr d'ailleurs de pas vous dire de bêtises. Suédois Helsingborg risque de perdre un joueur. Ok, alors. Tac. En direct en live, enregistré, je vérifie. Suédoise, ouais c'est ça, c'est des Suédois. Allez. Donc on va s'orienter tout tranquillement vers ce match contre Norwich City. Mais avant, on va quand même... essayer de savoir qui va être notre adversaire hein, en Barclays Premier League, en Euroleague, en 16e de finale. Les 16e de finale, ça commence à péter. Honnêtement, je pense arriver. Ils m'ont demandé d'arriver en quart. Suivant contre qui je tombe, je tomberai en 16e ou en 8e. C'est à voir. Si j'arrive en quart, honnêtement, je considérais que c'est un exploit. Alors, en Ligue des Champions, ça a donné quoi? Juventus et Schalke sont qualifiés. Le PSV est reversé en Ligue Europa. Celtic est éliminé. Dans le groupe B, Barcelone premier, normal. L'OM deuxième. Le CSK à Moscou est reversé en Ligue Europa. FC Bâle termine dernier du groupe avec 2 points. Arsenal, premier du groupe, 6 matchs, 6 victoires. C'est mieux qu'en championnat. Porto deuxième. Séville, reversé en Ligue Europa. Et Copenhague, éliminé. L'Inter termine premier de son groupe, Dortmund 2e, Galatasaray reversé en Ligue Europa et Molde est éliminé également. Ok, c'est pas mal pour l'instant. Milan, Chelsea largement qualifié en Champions League. Wolfsburg qui est reversé en Ligue Europa et l'OL est éliminé malheureusement. Manchester City et le Spartak qualifié en Ligue des Champions. La Real Sociedad est reversé en Ligue Europa et le PAOK est éliminé. Bayern et Ajax qualifiés à la faveur d'une... Ah oui d'accord. L'Olympiakos et le Real Madrid sont qualifiés. Manchester United reversé en Ligue Europa, putain. Je veux pas tomber contre Manchester, j'en ai marre de tomber contre Manchester. Ok, bon, voilà, voilà. Et donc, on va quand même jeter un coup d'œil pour voir qui on affronte. Calendrier, attention messieurs, dames, suspense... On a vu un peu toutes les équipes qu'on pouvait tomber, et on va tomber sur Hoffenheim. Hoffenheim, je vais vous donner les affiches rapidement. Donc Hoffenheim, Portsmouth, Austria deviennent Bayer Leverkusen, CSK à Moscou, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt, Real Sociedad, Feyenoord, Girondin, gros match, Galatasaray, LOSC, gros match, Helsingborg, Bruges, Legia Varsovie, Séville, Naples, Manchester United, ça va être l'affiche, Newcastle, Benfica, c'est pas mal aussi, Paris, Athletic, Bilbao, PSV, Spurs, Rapide de Vienne, Atlético Madrid, Valence contre l'AS Rome, gros match également, Wolfsburg contre Liverpool, encore un gros match, et le Zenith qui défiera la Fiorentina. Bon, et ben, y a des beaux matchs, hein. Y a des beaux matchs. Le Naples-Manchester United, notamment, il est pas dégueulasse. PSG-Bilbao, c'est pas mal non plus. C'est pas mal non plus. Et pour les clubs anglais, on a vu quoi? On a vu donc Newcastle, Benfica, Manchester United contre Naples. Est-ce qu'on a d'autres clubs anglais? Liverpool contre Wolfsburg, et je crois que c'est tout pour les clubs anglais, on a vu également pour les clubs français. Bon bah voilà, on va en rester là, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, je vous dis à bientôt pour l'épisode 64, et à bientôt pour les 16e finales de Ligue Europa.